africain. Tel est le slogan de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. C'est aussi l'occasion de célébrer les talents africains, les talents camerounais, à travers un sport très pratiqué mais peu connu. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Stevie Online TV. L'édition de En plus clair de cette semaine s'intéresse, fait un zoom sur la Fédération nationale des arts et de sports urbains. Pour en parler, qui d'autre qu'un expert, Arnaud Guénin, président de la Fédération, se prête au jeu des questions-réponses. Nous sommes allés à son domicile au quartier BMSI à Yaoundé et il nous livre ce qui suit. Je vous l'annonce à la table de cette émission, dans la chaise de l'invité cette semaine, Arnaud Guénin. Il est le président de la Fédération nationale des arts et des sports urbains. Il se prête au jeu des questions-réponses tout de suite. Arnaud Guénin, bonjour. Bonjour Élise. Comment vous allez? Ah, super bien. Bonne année. Happy New Year. Vous êtes le président de la Fédération nationale des arts et des sports urbains. C'est quoi la fédération? D'où vient l'idée d'une fédération? 2019, on décide de mettre sur pied cet instrument pour permettre aux artistes et aux sportifs, en d'autres mots des athlètes artistes, dans des conditions de structuration, parce que c'est une vieille idée. C'est une vieille idée qui devient de plus en plus un projet. Et cette aventure date depuis plus d'une dizaine d'années. Je ne parle pas de l'aventure de la fédération, mais du mouvement. Et alors, on a décidé avec certains acteurs qui avaient laissé de manière pratique et aussi d'autres acteurs qui sont aussi dans la pratique, de pouvoir reconstruire ce projet-là et lui donner un nom. La dénomination n'est pas un souci, mais c'est le contenu qui est en réalité qui est très important. Exactement. Donc FENASU, Fédération Nationale des Arts et Sports Urbains, tombe à point nommé dans sa structuration juridique, structuration administrative, à partir de 2019. C'est tellement... c'est un voron, soit des récupérations, soit une opportunité. Anyway, nous avons décidé de mettre les acteurs des danses urbaines, des beatboxers, des riders, des graffeurs, des DJ au cœur de leurs propres préoccupations. Et donc, la fédération, dans ses textes, prévoit 2 ans de mandature. C'est pourquoi je disais que j'étais encore le président en fonction. Mais la 3e assemblée générale élective, c'est du 6 au 8 août, avant l'un des plus grands événements de danse urbaine au Cameroun qu'on appelle le Battle National Cameroun, qui sera sa 8e édition. Et donc à ce titre-là, certainement d'autres personnes qui aspirent à conduire la vision de cette fédération se prêteront au jeu pour devenir le 2e président de cette fédération. Mais qu'à cela ne tienne, je suis tout de même le premier et le fondateur. Donc on a parlé des danses urbaines, de l'industrie de la danse urbaine. Comment se porte l'industrie aujourd'hui? Ben, c'est vrai que c'est très difficile, de répondre à cette question. Mais bien avant, je vais rapidement clarifier quelles sont les missions de la fédération. D'accord. Et quels sont les types de membres de la fédération. Okay. Et d'abord, les missions de la fédération sont au nombre de 5. Okay? La première, c'est de démystifier le regard de la société sur les acteurs urbains. Beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce qu'on fait, où on le fait et pourquoi on le fait. Et donc la mission de la fédération, c'est de pouvoir démystifier ce regard-là pour qu'ensuite les acteurs puissent véritablement proposer, diffuser et promouvoir leur art et sport. Et donc la deuxième mission, c'est d'identifier tous les acteurs dans le pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui véritablement sont dans certains coins reculés et qu'on ne connaît pas. Certainement vous qui nous regardez dans Steve Online, vous êtes un graffeur, un DJ, un beatmaker, un danseur, et certainement vous voulez connaître quelles sont les surfaces de diffusion de vos différents arts respectifs. La fédération tombe à point nommé pour vous indiquer là où vous trouvez, dans vos territoires, quelles sont les différentes personnes qui peuvent animer votre art. Et donc la troisième, donc justement, lorsqu'on a démystifié, on a identifié, il faut le rendre accessible, donc la démocratisation de cet espace-là. Et la quatrième, c'est la plus intéressante. Lorsque des personnes maîtrisent au mieux ce que l'on fait, lorsqu'on sait exactement qui pratiquent ces arts et sports urbains, lorsqu'on les a rendus très accessibles,
c'est intéressant de pouvoir générer une économie autour des cultures urbaines. Et donc, de créer un marché de biens et services. C'est ça la quatrième mission. Et enfin, il faut former les cadres pour investir les sphères de décision. C'est-à-dire qu'il faudrait que les différents acteurs qui sont dans la fédération ou pas puissent se mouvoir dans la société, partout où ils sont, sans toutefois avoir honte. Parce qu'en réalité, lorsqu'on s'investit à donner une image de ce que l'on fait, on n'en a pas honte. Et donc, les différents types de personnes qui peuvent adhérer à ce mouvement, ce sont les artistes, ils sont au nombre de 6, ce sont les écoles de danse, ce sont les compagnies de danse, ce sont les associations, ce sont les fans, des personnes qui aiment bien le mouvement urbain, le mouvement sportif urbain, et enfin, ce sont les événements. Voilà un peu dressé comme ça ce que c'est que la fédération et quels sont les types de personnes qui peuvent entrer dans la fédération. Pour être plus précise, vous n'avez pas encore des artistes ou des maisons de production qui viennent vous voir pour solliciter des danseurs, des beatmakers, c'est ça, si je comprends bien? Déjà, il faut le dire. Il faut le dire. Moi, j'étais beaucoup plus dans la présentation de la fédération pour que les téléspectateurs maîtrisent au mieux ce que c'est. Tout à fait. Maintenant, par rapport à la question de comment se porte l'industrie des danses urbaines, il y a deux éléments principaux qui sont d'abord intéressants, mais primordiaux, pour davantage apprécier cette question. Les danses urbaines, c'est un vaste chantier. D'accord? C'est un vaste chantier parce qu'elle s'appuie sur deux éléments importants. Il y a la culture hip-hop, parce qu'on parle de culture hip-hop, mais de culture avec S urbaine. D'accord, c'est deux. Il y a un qui est au singulier, l'autre qui est au pluriel. C'est pour ça qu'on parle des danses urbaines, mais pas de la danse urbaine. La danse urbaine n'est pas une discipline, on parle des danses urbaines. Et donc, les danses urbaines sont beaucoup plus associées aux cultures urbaines. Les cultures urbaines, c'est quoi? C'est le prolongement de tout ce qui est endogène à la culture hip-hop. Je m'explique plus simplement. Le hip-hop est un mouvement qui est né dans un espace précis, avec des règles précises. Mais sauf que lorsqu'elle s'étend, lorsqu'elle essaye de se mouvoir dans la société, elle intègre des contextes et donc elle s'endogénise. Et à ce titre-là, le hip-hop aux États-Unis n'est pas le même qui est aussi vu au niveau du Cameroun. Et donc, tu vas donc te rendre compte que c'est donc ce qu'on appelle musique urbaine, danseuse urbaine, parce que c'est la rencontre entre le hip-hop et le contexte local. Et donc, à ce titre-là, je revenais justement sur ta question pour dire les danseuses urbaines se portent au mieux. C'est-à-dire que la fédération n'est pas un mouvement exclusif. C'est un mouvement inclusif et donc qui porte au sein beaucoup d'autres associations, beaucoup d'événements, beaucoup d'artistes. Et pour sectionner uniquement nos danses humaines, les danses humaines sont très larges. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de disciplines de danse. Et qui ont donc justement leur matrice au niveau du hip-hop. Donc pour finir, les danses urbaines se portent au mieux. Il y a surtout que la fédération est venue vraiment à point nommé pour recadrer, donner une direction, pas unilatérale, mais une direction qui est portée par les acteurs. Parce qu'à l'intérieur, il y a des débats pour pouvoir clarifier, pour pouvoir indiquer quelle est la voie ou bien quelles sont les voies qui pourraient permettre à ce que la professionnalisation du secteur puisse être quelque chose de véritablement acquis. Parlons de Akuma, un de vos projets qui est un de vos grands projets. C'est quoi Akuma? Qu'est-ce que ça promeut? Akuma, c'est l'une des activités de la fédération. D'accord. Il y en a 7 cette année, 7. Que je vais essayer de rapidement tout à l'heure, mais je vais d'abord reprendre ta question. Akuma, ça veut dire richesse. Et si vous regardez bien, comme vous le verrez au niveau du logo, vous allez voir un danseur qui exécute un mouvement assez précis et donc qui renvoie à un style de danse précis qu'on appelle le crump. Et le crump, c'est une danse qui est aussi née aux États-Unis. C'est un pilier et qui a une façon de... une vision du monde. Toutes les danses sont ancrées dans une culture, dans une vision du monde. Et alors, quand je parlais de danse urbaine, le directeur technique national à la dernière assemblée, de la deuxième assemblée générale, qui s'est tenue du 7 au 10 septembre à Yaoundé, à ce moment-là, on définissait le calendrier de 2021, malgré la COVID-19. Alors, il a précisé qu'il voulait endogénéiser
le crump, donc donner une couleur locale. Et il s'est rendu compte dans ses recherches que le crump, dans sa danse, était beaucoup plus lié, c'est-à-dire que la danse, c'est-à-dire que la nature de la danse était beaucoup plus liée aux danses écans, du centre et aux du sud. De chez nous. Voilà, aux danses de chez nous. Alors, il avait la poitrine, parce que vous allez toujours voir que mm-hmm. les crumpers dansent toujours avec un peu la poitrine. D'accord. Alors, il était donc intéressant pour nous d'endogéniser cette danse-là. Mm-hmm. Et donc, le projet est né, s'appelle Akuma. Donc, mm-hmm. c'est la rencontre entre les danses crump, mais la danse crump, sorry, et les danses patrimoniales, notamment celles du sud et du centre. Donc, et ça va se faire en deux étapes. La première étape, c'est de créer un battle qui est lié donc justement à ce carrefour mm-hmm. entre ces deux danses-là qui se ressemblent, mais qui vont donner une couleur locale. C'est pourquoi vous voyez par exemple le logo, vous voyez un danse, vous avez au niveau de l'accoutrement, c'est entre moderne et traditionnel, avec une peau de bête et un truc. Et vous avez l'instrument, qui n'est pas un instrument de l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique centrale, notamment au Cameroun, c'est le tam-tam. Et donc, c'est l'instrument-là qui va faire valoir la musique qui sera autour de la compétition en soi. Et donc, ça porte dans le principe de la formation des danseurs, des quatre danseurs qui seront sélectionnés et dont l'appel à candidature finit le 31 janvier, qui vont participer à ce projet-là. Ces quatre danseurs qu'on appelle les crumpers seront formés en danse patrimoniale, notamment ces danses du sud et du centre. Et après, ils vont donc faire une pièce de création appelée carrefour. Vous voyez un peu le mot qui revient et qui sera en fait en 40 minutes. Et ils ont 60 jours de résidence. Ils ont déjà 3 dates pour pouvoir faire ces pièces-là. Mmh. Il y a en juin, lors du festival Comptoir A, il y a au Battle National Cameroun, lors de l'activité hip-hop en création, mmh. et enfin à l'Institut français de Douala, dans le festival Saisis ta chance, Saisis ta danse. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des 7 autres projets. Vous avez parlé tout à l'heure des 7 projets parmi Akuma. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser les 7 projets de façon à ce que nos web téléspectateurs sachent de quoi il s'agit? Bon, déjà, nous allons commencer l'année avec une première activité phare qui se décline en 3 autres sous-activités. C'est la tournée nationale. Mmh. C'est le nom, en fait, de la première activité. Cette tournée nationale va se faire en 2 mois et demi. Mmh. Elle va débuter le 29 janvier mmh. et va s'achever le 14 mars. Alors, nous allons aller dans les 7 antennes régionales de la fédération pour faire 3 choses. Donc, former les cadres dans l'administration de la fédération, parce que justement la dernière assemblée générale a porté beaucoup de tard dans la connaissance véritable de la vision de la fédération, mmh. qui s'est un peu galvaudée, et surtout on a compris que c'est aussi la jeunesse de ceux qui sont à l'intérieur, mais ce qui est le plus important, c'est que ces personnes-là sont motivées et engagées. Et donc, il y a la formation des cadres de l'administration de la fédération, mmh. qui va s'opérer dans toutes les antennes régionales. Mmh. Il y a la Ligue régionale qui est en préparation des rencontres nationales des arts et sports urbains qu'on parlera tout à l'heure, qu'on appelle FENASU Games. Et donc, enfin, il y a la sélection d'une compagnie par région pour un des projets qui est une activité de la fédération. Voilà les 3 sous-activités mm-hmm. qui meublent la tournée nationale dans les 7 antennes régionales. Et donc, on va commencer à Bétois. Ça va se poursuivre à Tchank. Et après Tchank, on va aller à Ngaoundéré. Après Ngaoundéré, on va aller à Douala. À Douala, on va revenir au niveau de Kribi. Et enfin, on va finir au niveau de Yaoundé. Et donc, la deuxième activité, c'est l'activité FENASU Games. C'est-à-dire, c'est les rencontres nationales des arts et sports urbains. C'est vraiment une compétition sportive et artistique. Vous avez vu, je vais pas commencer par artistique, sportive et artistique autour de 3 grandes disciplines. Nous avons les danses urbaines avec certaines disciplines, qui sont donc justement les différents athlètes et artistes qu'on aura sélectionnés dans les ligues, lors de la tournée nationale. Et nous aurons donc alors les danses urbaines, nous aurons les graffitis et enfin le BMX Rollers. Il faut dire que les FENASU Games sont le thème principal, c'est Road to the Olympic Games Paris 2024. Il faut savoir que le breakdance, par exemple, qui est l'une des plus vieilles disciplines de hip-hop, est depuis 7 novembre, je pense, novembre 2020, entrée comme discipline aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Et donc, puisque la fédération se positionnait déjà dans la mise en place
ou bien dans la structuration aussi de ce mouvement-là. Et Financial Games, c'est le thème de cette année. Et donc, c'est la deuxième activité qui se déroulera du 2 au 4 avril à Yaoundé. La troisième activité, c'est à Kouba. On en parlait tout à l'heure. La quatrième activité, c'est l'Assemblée générale élective du président et des délégués régionaux. Ça sera du 6 au 8 août. Je ne sais pas si... Pardon 2021. J'avais même aussi... c'est l'oubli. Ça va, ça vient. Il y a aussi un événement majeur qui va se tenir en mai, du 3 au 12 mai, pendant 10 jours. C'est le séminaire de catégorisation et de gradation des athlètes artistes dans le pool des danses urbaines. L'enjeu majeur, justement, c'est l'arrivée du breakdance aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça se fait en majeure partie avec l'Organisation nationale du hip-hop en France, avec laquelle on a signé un contrat de 2 ans de travail ensemble. Donc, il y aura. Des sélections de compagnies par région. Et donc, ces 7 compagnies-là vont venir dans ces rencontres chorégraphiques pendant 5 jours pour une compétition, mais beaucoup plus pour les danses de création dirigées par les danseurs hip-hop. Et enfin, la 7e activité, il fallait rendre mémoire. Parce qu'une famille, un mouvement ne se construit pas sans repère. Il faut savoir là où on a commencé, les qui ont façonné ce début et les qui continuent à travailler pour la pérennisation du mouvement. Sinon, on aura comme actuellement des danseurs, pour ne parler que d'eux, orphelins. Et donc, on a créé cette activité qui est la dernière en décembre, 18 au 19 décembre, qu'on a intitulée La mémoire. C'est-à-dire que c'est l'exposition des légendes urbaines, l'histoire du mouvement. Et on a pris une première date pour la première édition, qui est de 97 en 2007, donc 10 ans. Donc la deuxième édition va se faire plutôt maintenant 10 ans avant 97, c'est-à-dire on peut faire rapidement la soustraction parce qu'il y a justement des personnes aussi comme les Sydney et beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dans le développement de ce mouvement urbain, beaucoup plus pour les danses urbaines. Voilà les 7 activités qui meubleront la fédération Finazur cette année. Pendant que vous parliez, j'étais éblouie par sa façon de parler, mais il y avait également une question qui me taraudait dans l'esprit. Est-ce qu'on a pensé aux tout petits? Est-ce que dans les projets de la Finazur 2021, on a pensé aux petits de la maternelle qui veulent aussi danser comme des pros, qui veulent aussi suivre les pas de grand frère ou de la grande sœur à la maison? C'est une très belle question. Hein? Ouais. C'est une très belle question. Il faut savoir que mon programme, quand j'ai été élu, en 2019, c'était je pense le 6 août, si je peux me tromper, parce que la première assemblée générale s'est déroulée pendant la période du 7 du 5 au 10. J'ai déblayé un programme national de 40 pages en 5 grands points. Il y a la partie sensibilisation et la partie formation. Maintenant, restons sur le deuxième grand point qui est la formation. Je ne vais pas continuer pour le reste. Dans la formation, il y avait donc justement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'il fallait créer un programme qui participe à ce que, dès le bas âge, on puisse maîtriser au moins, ne serait-ce qu'en termes de nom, en termes d'histoire, en termes de pas, différentes disciplines de danse urbaine, pour ne parler que de danse urbaine. Parce que la fédération, ce n'est pas simplement les danses urbaines. Mais comme je sais que vous voulez qu'on parle que de ça, ce serait intéressant de le dire. Et donc, les différents comités directeurs régionaux qui existent, ou encore les antennes régionales, sont au nombre de 7, ont chacune, pour ne parler des antennes, ou chacun, on parlait des comités directeurs régionaux, essayé d'avoir un plan d'action dont on mettait justement les plus petits au cœur. Par exemple, au centre, l'année dernière, il y avait tout un espace dédié à cela dans la rencontre dans les établissements scolaires. Hélas, la COVID-19 n'a pas permis à ce qu'on puisse aller dans ce sens-là, puisqu'il y a eu des ruptures, etc. L'année-ci, le comité directeur du centre, pour ne parler que de ce comité-là, va se déployer dans ce sens. Mais il faut le dire, la fédération n'est pas la seule à proposer
des activités. On parle de fédération, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'acteurs à l'intérieur. Au début de l'émission, j'ai défini les types d'acteurs. Donc, il y a beaucoup de responsables d'associations, de compagnies de danse qui font dans ce que vous êtes en train de dire. Je peux citer, nous avons par exemple la relève qui est faite par Dance for Yourself. Dance for Yourself, c'est un mouvement qui est organisé et promu par le directeur technique régional du littoral, qu'on appelle Orwan, aussi leader du groupe All School, deux fois champion du Cameroun en street dance, qui a décidé donc, de mettre sur pied un projet Dance for Yourself au cœur des établissements scolaires. Et donc, l'année dernière, il a eu à rompre cette activité-là parce qu'à cause du Covid, cette année, il a relancé l'activité et on espère, parce que depuis un certain moment, toujours à cause du Covid, les personnes, je parle de personnes morales en parlant des responsables des établissements qui avaient à donner un accord ont des difficultés à pouvoir voilà, mais déjà c'est un acteur majeur. Il y a d'autres acteurs comme cela, je pense comme ça la CACORD. La CACORD est une association qui représente les anciens danseurs du Cameroun, ok, basée à Douala, dont le président est le responsable administratif financier national. Vous voyez que c'est vraiment la fédération, c'est tout le monde. Et alors il a mis sur pied le CACORD Dance Tour, Dance School Tour, c'est une activité de la CACORD qui participe donc justement à une rencontre entre les anciens et les plus petits dans les écoles de danse et les établissements scolaires. Il y a encore plusieurs d'autres associations comme ça, notamment Urban Zone Colors, qui est une association portée par le directeur technique régional du centre, qui s'appelle Philippe Ondoa, qui lui a toute une académie qu'il a mis sur pied pour pouvoir justement transmettre les danses hip-hop aux plus petits. C'est pour dire que même si la fédération ne travaille pas directement dans cette activité-là, nous exhortons et nous accompagnons les différents membres de la fédération qui sont déjà des porteurs de projets et des leaders à continuer dans ce sens-là pour pérenniser le mouvement hip-hop. On va sortir par là. Arnaud, vous avez parlé de vos partenaires tout à l'heure. Est-ce que parmi vos partenaires, il y a le soutien de l'État? Est-ce que le ministère de la Culture soutient le projet? Est-ce que le ministère de la Culture vous accompagne dans votre projet? Bon, il faut déjà dire que si l'une des missions, c'est la démystification de la société, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la principale solution en réalité pour maîtriser au mieux ce qu'on fait, c'est d'abord les acteurs eux-mêmes. D'accord. Et nous sommes d'abord notre propre soutien. D'accord. Donc c'est d'abord la matrice qui doit nous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. C'est vrai, c'est difficile. Et donc ça pose la question du mode de fonctionnement. Comment sont financées toutes ces activités? Et c'est une question qui revient toujours parce qu'au Cameroun et en Afrique, on a peur d'expliquer aux gens comment est-ce que les ressources sont déployées ou les moyens pour pouvoir financer X ou Y activités. Et ça tombe à point nommé avec une chaîne web qui est suivie dans le monde, qui a plusieurs abonnés. Et bon, je lance comme ça un appel à tous les abonnés de Stevie de pouvoir véritablement nous accompagner dans ce projet. On a besoin de vous parce que les acteurs eux-mêmes sont à bout de souffle. Ils n'ont que leur corps, véritablement, qui est le temple de leur art et leur sport pour véritablement se diffuser leur discipline, leur art respectif. Nous administrons avec nos propres fonds pour l'instant. Et avec la valeur ajoutée que nous avons, qui est grande, qui est forte, nous essayons de pouvoir la proposer à qui veut bien nous accompagner, pas nous aider. Ce n'est pas l'aide, parce qu'on n'aime pas ce mot-là, parce que c'est trop connu, aide. On ne veut pas de l'aide. Ça fait mendiant. Alors que nous avons une très grande richesse. Et donc, à ce titre-là, pour l'instant, nous vivons de licences. Les licences, donc, justement, c'est quoi? C'est un document administratif et juridique qui assigne à la personne qui est membre de la fédération que véritablement elle est. Et ça permet justement de pouvoir faire vivre la fédération et faire vivre le danseur en même temps. Parce qu'il y a des éléments qui sont mis en exergue pour pouvoir donner des facilités à celui qui décide d'être membre de la fédération en tant qu'athlète, fan, association, événement, école de danse, compagnie. Et donc, comme je le disais tantôt,
Je lance un grand appel parce que là, nous avons besoin. Nous avons lancé, par exemple, cette année, depuis la dernière Assemblée Générale, une opération, 20 millions de francs CFA, pour pouvoir avoir un siège immense et aussi aller dans le sens de pouvoir accompagner nos activités et les membres de nos activités. Donc, Stevie Online TV est tombé à point nommé dans ce sens-là. Arnaud Guénan, merci. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu aux questions de Stevie Online TV. Bon, je ne sais pas si je devrais dire merci, mais ce que je sais, c'est que je suis honoré. Pourquoi je suis honoré? C'est à cause d'abord de l'immensité de votre beau sourire, de très belles questions, un très beau regard. Il faut comprendre que lorsqu'on a la possibilité, en 2021 surtout, à ce moment de janvier, d'avoir Stevie Online chez soi et d'être interviewé avec une très belle dame comme celle-ci, ça augure de très belles choses dans la fédération et même dans ma vie personnelle. Merci à tous les web téléspectateurs, je ne sais pas comment on peut appeler les web spectateurs. Merci à toute l'équipe de Stevie Online. J'espère avoir votre soutien massivement et j'espère aussi, et j'espère encore être invité pour parler point par point des différentes activités qui ont été menées. Et croyez-moi, c'est le Cameroun qui gagne. La FENASUR, Fédération Nationale des Arts et Sports Urbains, est une force de proposition. Elle n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement artistique et sportif qui est là pour la professionnalisation des acteurs, des danses urbaines, des graphes, des graffitis, des BMX, etc. C'est ici que s'achève cette édition de En plus clair. Merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour le même exercice. À très bientôt.